Vous connaissez tous l'invité de cette quinzaine, il s'agit de Philippe Claudel, auteur et réalisateur reconnu, qui était de passage récemment à Saint-Dié-des-Vosges, puisqu'il a présenté à la Tour de la Liberté son dernier livre, L'Enquête. Il a répondu aux questions de Vianney Huguenot. Alors bonjour Philippe Claudel. Bonsoir. Vous êtes à Saint-Dié-des-Vosges ce soir, invité par l'Espace 88, une association, et la librairie Le Neuf. Hier, j'imagine ailleurs. Demain, ici ou là. Pour la promotion de votre dernier livre. Alors tous ces voyages, tous ces travaux de promotion, c'est pas au final un peu pesant ? Pesant non, fatigant un petit peu, parce que dans le même temps, si vous voulez, je continue toujours à assurer quelques cours à Nancy 2, et puis surtout à terminer le mixage de mon deuxième film, Tous les soleils, qui sortira en mars. Donc là, il me reste 10 jours de travail sur le film. Donc la journée sur le film dans les auditoriums à Paris, puis le soir, effectivement, en France, à différents endroits chaque soir pour parler du livre. Alors moi, il y a une petite question qui me turlubine, parce que toutes ces périodes de promotion, c'est des centaines et des centaines de journalistes que vous croisez. Oui, c'est pas toujours les mêmes questions. Comment ça se passe C'est assez souvent quand même les mêmes questions, mais c'est pas posé par les mêmes personnes. Donc forcément, elles n'entendent jamais la même réponse. Et puis je crois qu'on ne fournit jamais tout à fait la même réponse, parce que c'est vrai que selon le contact, selon l'humeur du moment, selon l'orientation de la question, on peut aussi approfondir ou varier un petit peu sa réponse. Alors, je ne sais pas si le terme va vous plaire, mais on dit aujourd'hui que vous êtes une valeur sûre. Je crois que c'est faux, parce que je crois que c'est un monde, justement, et surtout culturellement, il n'y a aucune valeur sûre. Il y a des moments où vous rencontrez la faveur d'un public, où ce que vous faites en cinéma, en musique, en littérature, va arriver à trouver une juste et intime connexion avec un public. Et puis, tout cela est relativement fragile et peut être très, très passager. Mmh. Simplement, après une dizaine d'années de publication, après pas mal de textes parus, c'est vrai qu'il y a peut-être un trajet et une continuité, une cohérence qui se dessine dans ce que je fais. Alors, bon, ok, on met de côté ce terme de valeur sûre, mais il y a un succès qui est évident. Comment vous le vivez, ce succès ? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel, parfois, vous prenez du recul pour l'expliquer, pour le comprendre, ou est-ce que vous laissez aller au fil de l'eau en attendant que ça dure, quoi ? Non, mais écoutez, c'est toujours plaisant, ça, je ne vais pas vous dire le contraire, mais c'est quelque chose sur lequel je ne réfléchis pas du tout. Je crois qu'il ne faut pas réfléchir à ça, il faut le prendre quand il vient, il faut en être heureux, en être flatté, être vraiment, comment dirais-je, reconnaissant envers le public qui vous l'accorde. Mais en même temps, je crois que c'est une sorte d'effet secondaire de quelque chose. C'est-à-dire que ce qui anime la plupart des gens, je pense, qui écrivent ou qui font des images ou qui créent quelque chose dans le domaine artistique, c'est la nécessité de le faire. C'est pas, si un romancier écrivait uniquement pour avoir du succès, je crois que ce ne serait pas vraiment un romancier. Ce serait quelqu'un qui aurait une sorte de vénalité dans son intention. Donc, ce n'est pas très intéressant. Moi, je ne parlais pas seulement de retombées, évidemment, financière, mais c'est aussi le plaisir d'être lu, écouté, bien sûr, entendu. Oui, j'entendais comme ça, mais très franchement, après le premier ou le deuxième livre, quand se dessinait un petit public fidèle autour de ce que je faisais, je ne peux pas dire que j'étais moins heureux qu'aujourd'hui, ou que je suis plus heureux qu'aujourd'hui. Le fait d'être lu par un certain nombre de personnes est quelque chose d'assez troublant, de très émouvant, de paralysant parfois. Et que le nombre augmente considérablement n'ajoute pas vraiment à ce trouble. C'est la même surprise, toujours, d'être lu. Et c'est troublant. Et est-ce que c'est le fait de recevoir le premier livre quand il sort des presses, même physiquement, est-ce qu'il y a un effet ? Quel sentiment ça procure, ça ? Ça me rappelle la première question que m'est posée un de vos confrères, justement. Quel effet ça vous fait de voir votre livre en librairie ? Je lui avais répondu rien, parce que c'est vrai que ça ne me faisait rien, dans la mesure où ce nom que je voyais sur la couverture, Philippe Claudel, me semblait être le nom de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que, et même aujourd'hui, quand je vois mes livres, quand je signe mes livres, etc., il y a toujours une forme de distance et d'altérité, comme ça, comme si c'était un autre qui porte le même nom que moi, qui fait ces livres-là. Je crois que c'est aussi peut-être une façon de se protéger par rapport à ça. Alors, sur le livre, le dernier livre, L'Enquête, hein, sur lequel vous allez parler ce soir à la Tour de la Liberté, donc ça repose sur une vague de suicides dans une entreprise qui enveloppe toute une ville. On va pas tout raconter. C'est un livre qui vaut vraiment le coup d'être découvert. Moi, la question que je voulais vous poser, c'est
ce thème-là, cette problématique-là, ou ce drame-là du suicide, à quel moment on se dit, quel est le déclic en fait qui vous dit, ben voilà, j'ai envie d'écrire un roman là-dessus, parce qu'il y a des centaines de thèmes qui vous blessent ou qui vous touchent ou qui vous affectent. Mais je pense que bon, il y a deux raisons à ça. Peut-être quand on a été touché de près ou de loin par un suicide dans son entourage familial, amical, professionnel, c'est quelque chose qui marque énormément en profondeur, qui pose des questions à la fois sur le plan humain, sur le plan intime. On regrette toujours des paroles peut-être qu'on a dites ou qu'on n'a pas dites, des gestes qu'on aurait pu faire qu'on n'a pas fait. Personnellement, pour l'avoir connu assez jeune, avec un de mes camarades qui s'est donné la mort, c'est quelque chose qui m'a toujours poursuivi. Donc j'ai beaucoup toujours réfléchi à propos du suicide. L'autre élément, c'est un élément social, voire sociétal, contemporain, avec effectivement de plus en plus de personnes qui se donnent la mort sur leur lieu de travail et qui donc interrogent les conditions de travail, interrogent le fait même de travailler, le fonctionnement de certaines entreprises ou de notre société. Les deux pistes, si vous voulez, sont réunies pour créer ce roman qui est un roman, qui n'est pas vraiment un roman sur le suicide d'ailleurs, qui est plus un roman sur la condition humaine, sur la difficulté d'être humain aujourd'hui, sur une société qui, semble-t-il, traite de plus en plus l'élément humain justement comme une sorte de mécanique sur laquelle on peut tirer beaucoup avant qu'elle ne se casse et ne se brise. Voilà, c'est ça, c'est-à-dire qu'un texte naît toujours aussi par rapport à un refus, par rapport à un cri de colère en l'occurrence, et celui-ci peut-être plus que les autres ou certains autres que j'ai écrits, est né vraiment d'une urgence à décrire le monde aujourd'hui et à en renvoyer une image de façon à ce que les gens qui lisent ce livre soient peut-être choqués et essayent un peu de réagir. Alors c'est vraiment révélateur d'une société qui tourne pas rond, quoi. Hein, Philippe Claudel, il dit quoi en gros ? Qu'est-ce qui tourne pas rond aujourd'hui ? Je pense que le fait qu'on ait donné autant d'importance à la valeur travail, au détriment d'autres éléments constitutifs de la personne et de la personnalité, et de la vie humaine, fait qu'aujourd'hui, comme ces conditions de travail sont devenues assez difficiles, et que la compétition est rude, eh bien, l'homme au travail devient un homme souffrant. Il serait peut-être temps, justement, de repenser ce que nous sommes. Effectivement, le travail est important, il occupe une part extrêmement large de nos vies, mais ce n'est pas le seul moment de notre vie. Ce n'est pas la seule chose qui nous identifie, qui nous constitue. On peut être ailleurs, on peut s'épanouir ailleurs, on peut avoir des activités qui nous définissent autant que le travail, sinon plus. Donc peut-être que ce n'est pas quelque chose qui va s'arranger d'un coup de baguette magique. Je crois que c'est les mentalités qui doivent évoluer, à la fois les nôtres, celles de nos dirigeants, celles de nos entrepreneurs, de façon à ce que la personne soit traitée le plus humainement possible, et plus humainement en tout cas qu'elle ne l'est aujourd'hui, où finalement on fait passer bien avant elle des notions de profit, des notions de rentabilité, et qu'on laisse vraiment, comme une cinquième roue de la charrette, le bien-être de l'homme au travail. Alors, juste pour conclure, est-ce que vous vous souvenez de Robache, le bar des Molières, en entrant sur la gauche, une arrière-salle, c'est la première fois, je crois, que vous êtes venu à Saint-Dié, pour le Café de l'Excelsior. Absolument, avec Jean-Michel Marchetti. Avec Jean-Michel Marchetti, avec Olivier Brun, l'éditeur de La Dragonne, qui avait publié ce livre qui était mon deuxième livre, avec l'invitation qu'avait lancé Olivier, et cette belle soirée, effectivement, dans un bistrot, ce qui était de mise pour ce livre qui s'appelle Le Café de l'Excelsior, qui raconte la vie d'un petit bistrot. Mais en même temps, pour en avoir fait un certain nombre depuis, les rencontres dans les cafés, c'est toujours quelque chose d'assez convivial, parce que c'est vrai que ce sont des lieux de rencontre, des lieux d'échange, des lieux de parole. L'ambiance, lorsqu'on fait une rencontre dans un café, n'est pas du tout la même que lorsqu'on la fait dans une médiathèque ou dans une librairie. Moi, j'aime un peu justement changer ces différents lieux pour changer un petit peu le contact avec les gens. Il n'y a pas très longtemps, il y a peut-être 3 semaines, je ne sais plus, je faisais justement un café aussi littéraire comme ça, à Gérardmer, pour la première fois dans un établissement. Et c'était tout à fait intéressant. Ouais, et on perd beaucoup de bistrots en France aujourd'hui. Ça, c'est un drame aussi, qui n'a rien à voir avec les drames. Je pense que les gens boivent toujours autant, mais boivent chez eux. Ouais, c'est dramatique, ça. Mais moi, je suis absolument pas nostalgique de quoi que ce soit dans la vie, mais il y a un élément qui me fait de la peine lorsque je vois disparaître, c'est vrai que c'est le café. Le café, quand je vois d'année en année des cafés disparaître, ça me fait un petit pincement au cœur. Ouais, c'est terrible. Et alors, il y avait déjà, juste pour l'anecdote, il y avait déjà Olivier, Huguenot, Manu, Antoine qui animent la soirée ce soir. Mmh. Et puis vous êtes revenu au FIC, vous êtes revenu plusieurs fois à Saint-Dié. C'est beau, une ville qui vous aime. Oui, bien sûr. Et puis vous aimez
C'est une ville que j'aime aussi. Il ne faut pas oublier quand même que je crois que mon nom le montre bien. J'ai une demi-origine vosgienne. Ah, c'est vrai, Claudel. Ça compte aussi. Et c'est vrai que là encore tout à l'heure, en venant en voiture, à partir du moment où je passe Baccarat à Onlétape, je me sens de plus en plus chez moi. Donc Saint-Dié, ça a toujours été une ville que je fréquentais enfant avec les parents. On venait assez régulièrement ici. On avait de la famille. Et donc c'est des lieux familiers et coutumiers. Ce qui est remarquable, je trouve, c'est la façon dont la ville s'est développée, s'est épanouie, s'est étoffée culturellement. Et c'est vrai que pour en parler, alors en France, mais comme j'ai la chance de voyager pas mal dans le monde, le FIG prend maintenant une importance qui est remarquable. Quoi. Mmh. C'est devenu un festival de géographie, comme son nom l'indique, mais un festival culturel très important. Oui, qui va au-delà. Eh bien, merci, Philippe. Merci à vous. Voilà.